Mi o o que o o na mi na mi na o na na o o que o o na o o na mi na o o na mi 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 na mi que o na 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 mi o na que 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 mi na o. Konnichiwa les kibishi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu, petit débrief, des lives que j'ai fait ce week-end pour toutes les personnes évidemment qui ne peuvent pas assister au live et qui ne regardent pas forcément les rediffs. Et bien voilà, je vais vous expliquer un petit peu où on en est. Comme vous pouvez le voir, et bien les petits personnages d'en bas, ce sont les habitants évidemment que je cherche pour cette île là et comme vous pouvez le voir, tous ceux qui ne savent pas que j'ai récupéré Robert est coché en vert parce que oui, on l'a enfin trouvé. D'ailleurs la réaction était juste ouf comme on l'a trouvé à la fin du live, c'était vraiment incroyable. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder la rediff de ce live là. Et du coup, et bien il me reste encore Suzy à trouver, Cléa, et ben voilà, Lico et Laura, on les a déjà trouvés, Candy, Bouloche, Étoile que je ferai venir évidemment avec une carte amiibo, et Ruby je sais pas trop encore, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, je vous montre en même temps la carte de mon île. Voilà, on a récupéré Olivia, mais du coup je sais pas, j'hésite encore pour Olivia parce qu'en fait Olivia, et bien je l'ai déjà eu. Et bon, bah voilà, je l'ai récupérée parce que je sais qu'elle est très dure à chasser et j'avais aussi envie de la récupérer, mais je vais réfléchir, je suis pas encore sûre de la garder et j'aimerais bien quand même avoir Ruby parce que je ne l'ai jamais eue et apparemment elle est vraiment grave dans un thème lunaire. Et donc le thème de mon île, et bien c'est féerique lunaire, donc du coup, et ben voilà, je pense que Ruby elle irait grave bien sur mon thème, le thème de mon île. Et du coup voilà la carte de mon île, donc on est sur Shibini Moon, hein, mon île hémisphère sud, et du coup on a encore pas mal d'habitants à faire partir. Je pense qu'on fera partir, ouais, on va faire partir un habitant dans cette vidéo là, comme ça d'ailleurs pour tous ceux qui savent pas comment faire, et ben vous pourrez et bien voir comment je fais pour faire partir et bien les habitants. J'essaierai de vous donner le max de conseils pour que vous puissiez faire partir vos habitants assez rapidement. Et si vous me découvrez aussi sur cette vidéo, évidemment avant de bien commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à mettre à activer la petite cloche, comme ça au moins vous êtes averti de mes lives et de mes vidéos, et comme ça c'est cool, ça vous évite de les louper si vous avez envie d'y assister. Et sans plus tarder, et ben c'est parti. Ok, du coup, et bien regardez, comme vous pouvez le voir, nous sommes devant chez moi. Oui, il y a un ballon et j'ai un lance-pierre. Ah là là, c'est pas souvent quand même, hein. Zut, et puis je shoot dans la boule de neige. Bref, on récupère le ballon. Ah là, je récupère des miles aussi. Ah yeah, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Et ben parfait, éclater des ballons. C'est parfait, on récupère 400 miles et donc on est devant chez moi. Et du coup pour tous ceux qui ont suivi, bah, vous êtes au courant que j'ai déplacé ma maison, avant elle était sur la plage, maintenant elle se trouve juste ici, plus ou moins au centre de l'île, juste derrière la mairie, comme ça au moins c'est un peu central et je suis un petit peu au milieu et c'est cool, comme ça je vais pouvoir mettre tous les habitants autour de moi et ben voilà, ça me plaît bien comme ça. Du coup comme vous pouvez le voir, j'ai placé déjà 3 maisons. 3 maisons sur 10, c'est pas encore beaucoup, mais voilà, pour l'instant j'ai pas encore tous les habitants que je veux. Et du coup ben, je vais pouvoir bientôt placer la maison de Robert, je sais pas encore tout à fait où je vais la placer, mais en tout cas c'est cool. Bref, j'ai prévu, on regarde le cadeau, le ballon, qu'est-ce que c'est? Oh, 5000 clochettes, et ben c'est parfait, on empoche. Du coup j'ai des esturgeons et des fossiles, dès qu'on croise un habitant, et ben on lui offre pour commencer un petit peu, ben, pour tous ceux qui vont être encore là, commencer un peu à travailler sur et bien l'amitié pour récupérer les mimiques évidemment. Ici et bien j'ai tout ouvert, oui je sais j'ai de la mauvaise herbe, mais en même temps c'est pas très grave, on s'en occupera après, on est là pas sur du, on fait pas du nettoyage pour l'instant. Bref, ici donc c'est l'accès à la plage de Runard et comme vous pouvez le voir j'ai tout ouvert parce que voilà ça va être comme ça et il n'y a pas encore de la déco et tout ça, mais ça va arriver très 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 prochainement. J'ai laissé juste ici un petit indice, oui il y a une parabole. Il y a une parabole, du coup pas. Bah, je vous en dis pas plus et vous verrez ça dans une future vidéo. Du coup on va aller se diriger vers la maison des habitants par là-bas. Je vais vous montrer où j'ai placé la maison de Lico. Hop là, on va prendre les escaliers qui sont juste derrière, juste par ici, hop, voilà, Lico se trouve juste ici, voilà sa maison.
Du coup, je trouve que c'est cool, je l'ai perché un petit peu en hauteur. J'ai trop hâte de faire sa déco, je suis pas encore tout à fait trop sûre de ce que je vais lui faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va être placé juste ici. Je vais remonter juste au niveau des plages, voir un petit peu s'il n'y a pas la bouteille à la mer par ici. Pas de bouteille à la mer à l'horizon. Du coup, on va regarder un petit peu les boutiques, n'importe quoi. Ici, c'est chez Greta. Venez, on va la voir. Ah là là, elle est en train de craft, en plus, c'est parfait. Regardez-moi ça, sa maison, elle est canon, hein, sa maison. Franchement, sa maison, elle est grave canon, elle est grave dans le thème asiatique et franchement, j'adore. Je peux faire quelque chose pour toi? Ce n'est pas très agréable d'être observé de cette façon. Eh ben, vas-y, filme-moi ton plan, hein. Allez, la Greta, un mur de pierre traditionnelle, je connais déjà. C'est pas grave, on récupère, on ira le vendre. Ça nous fera récupérer des clochettes parce que je commence à plus en avoir beaucoup. Et du coup, ce que je vais faire, eh bien, c'est qu'il va falloir que je fasse des transferts un petit peu là de clochettes. On va aller chercher des clos-clos. Soit on ira chez Roro pour récupérer des clochettes. Ou soit, eh bien, on ira en chercher sur Kibi Island. Eh bien, on va lui offrir un cadeau, on peut lui offrir quelque chose. Ah, elle est quoi comme personnalité? J'arrive pas à savoir. Ah, elle est vive, je crois. Oui, c'est ça, elle est vive. Alors, tiens, c'est pour toi, on va lui offrir un fossile. Eh ben, tiens, ma chère Greta, pas un crâne, on va lui donner une queue de tricératops. Voilà. Théma, elle me dit, on dirait. Oh, c'est drôle comme elle parle. Ok, merci, une veste de survêtement de sport, incroyable. C'est pas du tout le genre de truc que je m'aime, bon, c'est pas grave. Allez, salut! Ok, Greta, c'est fait. Du coup, on a quand même Olivia qu'on a récupérée en chasse à l'habitant il n'y a pas très très longtemps. Et je vous avouerai que Olivia, je suis pas sûre de vouloir la garder. Je l'ai récupérée, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est très difficile à chasser et je me suis dit que c'était quand même cool. Enfin, en vrai, j'avais envie de la récupérer. J'avais envie de la récupérer pour me dire que voilà, je l'ai. Mais je pense qu'à mon avis, c'est plutôt Ruby qui va la remplacer. Je sais pas encore, je suis pas encore décidée. Et du coup, voici la maison de Robert et Robert qui est juste ici, non, regardez ça, je suis trop contente. Oh purée, vous pouvez pas imaginer, j'ai tellement galéré à le récupérer que eh ben, je suis trop 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 contente. On va lui parler quand même. Coucou, c'est moi Robert. Parle-moi d'un truc. Encore une merveilleuse journée sur Shibimoon. Piouf! Ah oui, c'est vrai, c'est un paresseux lui. Ah là là, il dit piouf au fin de phrase. Je kiffe. Mais regardez-moi ça. Cette petite tête là. Moi, je la trouve assez iconique parce que c'est vrai que sur tous les gifs et tout ça, c'est toujours lui qui est en train de danser. J'adore, j'aime trop. Bon, allez, salut mon Robert, on peut pas encore lui offrir de cadeaux, mais c'est pas grave. Et ben vous savez quoi, ma gogo, on lui offre rien, parce que du coup, et ben je préfère rush l'amitié avec Robert, et puis on perd pas de temps avec ma gogo, parce que ma gogo, ben, quand on pourra le faire partir, et ben on lui dira, allez, salut. Alors juste ici, on a Tony, on va lui parler quand même à Tony. Salut Saga, ça roule, prête à oublier les foules. Attendez, lui, il est chic, mais Jellico. Du coup, on rush pas l'amitié avec lui, mais c'est pas grave, on lui parle quand même, on sait jamais. Hein. S'il peut me filer des trucs, et ben c'est cool. Bref, et ben lui, c'est cool, on lui a parlé. Le camping, il est juste là, évidemment. Hein. Vous savez très bien que pour l'instant, il est là sur la plage, mais il sera pas ici, c'est pas définitif. On va passer voir mes petits nains, alors go les voir. Coucou mes petits nains, mais regardez-moi qui y a. Il y a la jolie petite Olivia, elle est en train de faire du shopping. Oh my god, elle est trop cute, elle est quand même trop cute. Non, on lui parle. Tu l'as toi aussi? Quelle belle surprise, quelle bonne surprise. Si on discutait. Tu as un cadeau à acheter? Si tu me dis pour qui c'est, je peux peut-être t'aider. Bon, j'avoue, je suis juste curieuse. En plus, tu n'as absolument pas besoin de moi. Non, ça va, en vrai, je gère les cadeaux. Oh, attendez, ça, j'ai pas ça, dis donc. Est-ce que j'ai assez sur moi? Ah ouais, la colonne de douche, c'est pas du tout, ça claque, hein. C'est hyper stylé, 1000, oh oui, 1800 clochettes, j'achète direct. Ah là là, j'ai jamais catalogué, soit je crois, hein. Oh, canon. Ça aussi d'ailleurs, le guéridon noir, là. Oh, jamais eu celui-là, dis donc. Ah purée, j'achète aussi direct, hein. Ah ouais, on fait le shopping, 1600 clochettes, j'achète aussi. Et alors celui d'à côté, je sais pas. Bon, vous savez quoi? Go tout acheter, hein. Go tout acheter, guéridon ancien. Je pense que là, je l'ai sur Kibi Island, mais je pense pas que je l'ai ici. Et ben j'achète. Voilà, je sais pas si je m'en servirai, mais au moins il est catalogué si j'en ai besoin pour plus tard. Bon, après ça, j'achète pas. Et on va récupérer du papier cadeau quand même. Comme ça, et ben on va emballer les petites choses que j'ai, les fossiles par exemple. Alors voyons voir. Papier cadeau, je l'ai passé ou quoi? Ah bah zut alors.
Ah, il est... Oh là là! Bon, on a du vert cacadois et on a du orange. Eh ben, go prendre du orange parce que vert cacadois, c'est pas trop la couleur que j'aime. Ça fait plutôt... on va dire quoi? Ça fait la gastro. Enfin, ça fait genre, t'as l'impression, t'as grave l'impression que t'as la gastro. Vert cacadois, quoi. Bref, le fameux vert cacadois qu'ont les habitants qui ont la gastro sur les îles mystères qu'on chasse de temps en temps. Bon, allez, salut! Bon, voili voilou, ça c'est une bonne chose de fait. On va se diriger vers, eh bien, chez Anna et chez Dolph, parce que eux j'ai quand même vachement bien avancé dans, dans l'amitié. J'aimerais bien qu'ils me demandent pas à partir, parce qu'autrement je vais devoir tout refaire avec les habitants. Eh bien, je crois qu'Anna, elle est grande sœur, et Dolph il est sportif. Bon, c'est pas très très grave, mais bon voilà, si je pouvais rush leur mimique ultime, ça serait cool. Oh bon, oh palico! Ah là là, la petite chanson de base, il va falloir que je leur mette des musiques parce que là ça va pas du tout hein. Alors mon cher Lico, coucou trottoon. On papote. Ah, comment va se dérouler la journée? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle commence sur les chapeaux de roue. Et ben c'est incroyable, il faut absolument que je lui emballe quelque chose. Ok, et lui on lui offre évidemment pas un poisson, mais on lui offre un fossile emballé. On va lui donner un crâne de dimédrodon. Cette musique. Et ben qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien. Voilà, c'est pour toi un petit cadeau. J'espère que ça va te plaire. Je suis en pleine surprestitude. Et ben c'est incroyable. Tiens. En vrai, franchement, j'avais un peu peur de lui, mais en fait, je trouve trop stylé en vrai. En vrai, je trouve trop stylé de l'avoir comme ça sur mon île. Je suis trop contente. Bon, alors il y a quoi là-dedans? Et ben ouvre, hein, tu sauras. Hein. Mais tu m'as dégoté un crâne de dimédrodon? Ouais, c'est ça, t'as tout compris, mon cher Lico. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Tipo a déjà ce spécimen. Bah bien sûr, autrement je l'aurais pas offert, hein. Ah là, j'avais déjà vérifié, hein. Mais oui, une veste de pêcheur, incroyable. Bon, je suis pas trop, voilà, je suis pas trop experte en pêche, même si j'adore pêcher sur Animal Crossing, mais c'est pas du tout le genre de tenue que je porte. C'est pas grave, merci quand même. Alors, Dolph. Bonjour, ah là là. Tu voulais entamer toute ta journée? Ouais, exactement. Tiens, c'est pour toi. Oh, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour moi, Halala? Eh ben, ouais, c'est pour toi. Tiens, alors lui, on lui offre évidemment un poisson pour compléter sa collection de chez lui. Et à Anna aussi. Faut qu'on la trouve et faut qu'on lui offre un poisson aussi. C'est incroyable, chez eux, il n'y a que des poissons et des insectes. Je trouve ça génial. Bon, évidemment, ils resteront pas sur l'île, c'est pour ça que je fais ça. Oh, un insurgeon. T'en prendras grand soin? Eh ben c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il m'offre en retour? Normalement, il devrait m'offrir un truc bien, hein. Ça coûte cher, les insurgeons. Alors, un imperméable à goutte d'eau. Ok, c'est cool. Un imperméable goutte d'eau, plutôt. Oh, il n'y avait pas la marquée. Bon, bref. Ok, merci, c'est cool, c'est incroyable. Merci beaucoup. Bon, qui c'est qu'on va pouvoir trouver par ici? Oh là là, ça, il faut que je les replante, des pommes, parce que j'ai pas de pommiers sur mon île. Ok, Anna, elle va rentrer chez elle entre-temps. Non, pas du tout. Petite glissade, comme ça. Après, il va falloir absolument qu'on vire quelqu'un. Ici, eh bien, c'est la plage où avant, il y avait ma maison. Ouais, j'ai plein de fleurs qui ont poussé, regardez-moi ça. Oh là là, ça s'est totalement dispersé. Dispersé partout. Bon, c'est pas très grave. Anna, vous pensez que... Oh, regardez, il y a la Laura là-bas. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je me lasse jamais de la regarder, elle. Hein. On va voir si je peux lui offrir quelque chose. Bon, hop là, on va traverser. Ma petite Laura. Hop là, j'ai trop peur. J'ai cru qu'elle allait s'asseoir. Bonjour, ça me fait plaisir de te voir d'aussi bon matin. Eh ben, oh, je peux pas lui offrir encore. Parle-moi d'un truc. J'ai décidé de faire quelque chose de nouveau tous les jours. Ça permet d'éviter la routine. Eh ben, c'est incroyable, ma chère Laura. Super. Très bien. Eh ben, regardez, je vous montre. Ok, ici, je vous l'ai montré beaucoup en live. Mais pour tous ceux qui ne suivent pas les lives et qui ne me regardent pas les rediffs, voici l'arbre géant. J'ai trouvé ça sur Pinterest, le petit tuto. Et je trouvais ça super génial. Eh ben, donc voilà, je l'ai fait et j'ai trouvé que c'était très, très, très sympa. Du coup, la maison de Laura, elle se trouve juste ici. J'espère très prochainement faire, eh bien, la déco de chez elle. Et juste à côté, nous avons juste ici la maison de Rena. Voilà, la maison de Rena, on va aller la voir et on va voir si on peut lui offrir quelque chose. Et bah, elle est pas du tout en train de craft, c'est pas grave. Oh là là, j'adore l'intérieur de chez elle. Oh, j'aime trop sa maison, j'aime trop elle. Je la trouve trop mignonne et en plus j'aime bien l'intérieur de chez elle. Donc c'est super cool quoi. Bienvenue chez moi, fais comme... Bienvenue, fais comme chez toi, Watish. Alors on papote, je peux pas lui offrir encore de cadeaux évidemment, ouais, je l'ai récupéré il y a pas très longtemps et je vais pas encore assez parler. Bouquiner tranquillement en buvant un bon verre de limonade, voilà mon idée du bonheur. Eh ben c'est cool, on va lui dire... ah bah non, je l'ai déjà dit, eh ben je te fais juste un coucou.
Et ben voilà, allez salut. Bisous bisous. Bon, et eh bien, qui c'est qu'on va pouvoir... Moi, j'aimerais absolument croiser Anna. Il faut absolument qu'on croise Anna. Je veux absolument lui offrir un poisson, l'esturgeon. Ah ouais, je vais absolument lui offrir ça. Du coup, et eh ben, sur tout le reste de l'île, et eh ben, il n'y a absolument rien du tout. Oh, oh bah dis donc. Ah là là, le Gulliver, il est là. Et eh ben, vous savez quoi, on va faire sa quête en même temps qu'on fait le tour de l'île. Ok, c'est parti, je vais me munir de ma pelle et c'est parti. En même temps qu'on cherche Anna, eh bien, on va aller récupérer. Je pense qu'à mon avis, ça va être hyper rapide, sa quête. Et puis après, évidemment, comme je vous l'ai dit, on ira virer un habitant qui est de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Bon, ça a été hyper rapide, hein. Je vous ai un petit peu accéléré tout ça parce que comme ça au moins, eh ben, on a le temps de faire plus de choses dans cette vidéo. Et puis voilà, elle ne dure pas non plus trop longtemps parce que je ne sais pas combien de temps ça va mettre à faire partir un habitant. En tous les cas, de toute façon, je vous accélérerai tout pour que ça soit plus rapide. Mais pour faire partir un habitant, évidemment, il faut quand même que je vous montre correctement comment on fait. Et du coup, voilà, j'essaierai de couper quand même au minimum pour que vous puissiez quand même bien comprendre comment ça fonctionne. Ok, Gulliver, il est content, il a récupéré ses émetteurs, on passe vite, je passe vite voir chez les sœurs doigts de fée s'il n'y a pas Anna. Ok, j'en ai juste profité pour parler à Cousette, pour récupérer évidemment les motifs, et bah, il n'y avait pas Anna, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté de l'île, j'espère qu'on va la trouver, parce que j'ai vraiment envie de lui offrir, il faut absolument que je lui offre un cadeau pour vraiment rush un maximum l'amitié avec elle, c'est important, comme ça au moins je récupère sa mimique, et puis, et comme ça au moins pour elle, c'est fait, ah là là, je sais pas du tout où elle est, hein. Rip, rip, rip. Allez chez elle, regardez. Ah purée, et eh ben c'est génial. En plus, je vais pouvoir vous faire la visiter. Eh bien, sa maison, vous allez voir, il y a plein de poissons partout. Et je trouve ça beaucoup trop drôle. C'est parti. Ah là là, regardez-moi ça, l'intérieur de chez Anna. Bien sûr que je l'ai un peu troll, hein. Je vais offrir que des poissons et que des poissons. Je crois que je vais pas offrir d'insectes, hein. Non, je vais offrir que des poissons. Ah, c'est peut-être Adolphe à qui j'ai offert un insecte. Bref. Ah non, elle va s'asseoir. T'assois pas. Ah là là, l'esturgeon, il va prendre grave de la place. Ça va être trop drôle. Salut Kibichi, t'as émergé du pagot d'humeur à venir bavasser avec ta vieille copine. Ouais, parle-moi d'un truc. Quand il s'agit d'avoir de l'allure, quand on se pose, rien ne vaut la chaise bloc de bois. Eh ben ouais, c'est génial. Par contre, quand il s'agit d'avoir le popotin à l'aise et bien calé, c'est plus la même histoire. Ah, c'est drôle ce qu'elle raconte. Purée, j'aime trop. Tiens, voilà, c'est pour toi. C'est un super cadeau. Tu vas voir, c'est incroyable. Niniche! Et eh ben voilà, le petit esturgeon, l'énorme, le gigantesque, l'incroyable esturgeon pour toi, ma belle Anna. Oh, vise-moi un peu ce... vise-moi ce petit esturgeon, il est trop gnon. Tout ce que je lui offre, elle me dit à chaque fois, il est trop gnon. Oh my god. Je lui trouverai un nom plus tard, en attendant, j'ai qu'à l'appeler Kibichi. Oh purée. Oh là là, elle va appeler l'esturgeon Kibichi. Non mais elle est sérieuse quoi. Oh là là, boum. Échange de cadeaux, tiens, un mur carrelé bicolore rouge. Oh, ça c'est très cool. J'adore récupérer des murs et des sols. Ah ouais, et ben vous savez quoi, j'ai trop hâte qu'elle mette son esturgeon. Peut-être qu'on passera, ah bon, on passera la revoir. Ah ouais, à mon avis, vous savez quoi, elle va le mettre là. De toute façon, il n'y a que là qui va, hein. Il n'y a plus de place chez elle. Allez, salut. Bon, eh bien, on a fait plus ou moins, entre guillemets, le gros du travail. On a accueilli, on a parlé à Robert. Et maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir un habitant comme ça. Eh bien, on va pouvoir continuer à chasser, évidemment, en live, hein. Du coup, eh bien, c'est parti. Je sauvegarde cette journée. Hop là, faire une pause. Sauvegarder et arrêter. Ensuite, très simple, eh bien, on quitte le jeu et... très facile. Ensuite, on va dans les paramètres eh bien, de la console. On descend tout en bas à console. On va sur
la date de la console. Et moi, je vais pas trop loin. Je trouve que ça ne sert à rien. En tout cas, ma technique, enfin, moi, ça marche très très bien comme ça. Donc, c'est pour ça que je vais pas trop trop loin. Je fais attention de pas tomber sur un samedi parce que le samedi, il y a kéké. Et du coup, quand il y a kéké, eh bien, il n'y a pas de bulle, pas de départ d'habitants. Du coup, on est le 6. Eh bien, on va aller au 19. Il me semble que le 19, ça fait à peu près 15 jours. Je pense que c'est largement suffisant. 9h, c'est peut-être un peu tôt le matin pour faire partir un habitant parce que le mieux, c'est d'avoir le maximum d'habitants. Je trouve qu'entre midi et 14h, c'est vraiment l'heure idéale pour pouvoir croiser un maximum d'habitants. On va se mettre à... Bah, vous savez quoi? On va se mettre à midi 39. C'est cool. Voilà, midi 39, c'est parfait. Des fois, je mets un petit peu plus tard. Et si je vois vraiment que je croise aucun habitant, ce qui est quand même très rare, eh bien, tout simplement, je mets une autre heure, je change l'heure. Allez, c'est parti, on se reconnecte. Ok, on arrive eh bien sur la journée du lundi 19 juillet à midi 40. Et maintenant, je ne fais pas de zèle, il y a des choses à récupérer, je les récupère pas. Moi, tout ce que je cherche, là, c'est une bulle, un habitant qui a envie de partir. Heureusement, Robert ne veut pas partir. Greta, eh ben, elle n'a pas de bulle. Des fois, il est fort possible que vous croisiez un habitant qui n'a pas la bulle. Et puis, si vous recroisez, eh bien, ça peut déclencher en fait une bulle. Ok, ici, ils sont en train de blablater, pas de bulle par là. Ah là là, j'espère que ça va pas être Anna ni Dolph, mais dans tous les cas on les fera partir si c'est l'un ou l'autre. Mais ça m'embêterait un petit peu parce que j'ai quand même pas mal avancé avec eux en amitié. Oh, ah bah il va peut-être m'offrir une mimique. Ah ouais, c'est une mimique, parfait, et ben c'est pas grave. Achoum. Ok, et ben vous savez quoi, après cette mimique là, et bien ça sera sa mimique ultime. Et ben vous savez quoi, on récupère. Bon, il me semble hein. Ah, j'ai peut-être appétit, je sais plus. Ah là là. Puis en plus Dolph, vous savez sa mémé ultime, c'est la pirouette, et la pirouette c'est ma mimique, une de mes mimiques préférées. Ok, j'ai vu Olivia au loin en train de chanter. Ok, ici il n'y a personne à l'horizon. Ok, du côté de chez Laura et de chez Rena, en vrai vous savez quoi, je vais pas m'y aventurer, tout simplement parce que eh bien j'ai pas envie que ni l'une ni l'autre quitte l'île, donc ça sert à rien de vérifier leur bulle à elle. Hop, Olivia elle est au calme en train de chanter. Ah bah regardez, ah là là, la Laura elle est juste ici. Alors, il n'y a rien d'autre ici. Non, il n'y a rien de spécial par là. Ah là là, Anna, on l'a pas croisée encore. Hein. Ah ouais, on n'a pas croisé Anna. Elle est peut-être, remarquée, elle est peut-être au musée. Hein. C'est possible qu'elle soit au musée. Ok, on va juste repasser par ici. Ah là là, Tony, j'aimerais bien. Ou ma gogo, ça aurait été cool qu'ils aient la bulle. Hein. Ok, pas de bulle. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Greta non plus. En repassant devant. Et ben, vous savez quoi? On perd pas de temps et on va passer à la journée suivante. Donc, ce que je fais, là comme j'ai récupéré une mimique, je vais sauvegarder, mais d'habitude je sauvegarde pas. Ok, à part le fait que j'ai sauvegardé, autrement d'habitude je ne sauvegarde pas. Ici ça reste toujours la même chose, on quitte le jeu, on retourne dans les paramètres eh bien, de la console, on va sur console et on va sur l'heure et la date de la console. Et là tout simple, on ne touche à rien, vous touchez juste au jour et on passe un jour. Hop, on passe au mardi 20. C'est parti, on se retrouve dans le jeu. Ok, on se retrouve au jour suivant, pareil, eh bien on va continuer, on va faire le tour de l'île en espérant avoir eh bien une bulle. Eh bien dis donc, il y a Sarah, et vous savez quoi, j'ai même quelqu'un dans mon camping aujourd'hui. Bon, Olivia est chez elle, du coup pas de bulle pour Olivia, pas de bulle pour non plus eh bien Robert, ça tombe bien parce que j'ai absolument pas du tout envie qu'il parte. Et du coup, tac tac tac, j'ai trop envie de voir qui c'est, d'habitude je le fais pas, hein. Est-ce que vous avez envie de voir qui c'est qui est dans le camping? Ah là là, je suis trop curieuse, go voir. Ah là là, regardez-moi ça, c'est Épicure qu'on a beaucoup, 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 beaucoup croisé ces derniers temps en chasse à l'habitant. Ok, et ben voilà, c'était pour juste par curiosité. Allez, salut! Ok, Épicure, bon, je le trouve pas incroyable, mais sa petite dent de devant, franchement, il fait un petit peu peur. D'ailleurs, c'était pour ça d'ailleurs que je l'avais récupéré pour Halloween. Bon, est-ce que Anna est chez elle? Anna n'est pas chez elle. Ok, elle est juste ici sur la place. Ah là là, pas de bulle par là, ma gogo non plus, aïe aïe aïe. Ah là là, ça risque, ça va être compliqué là, ça va être compliqué. De toute façon, il va falloir passer les jours, de jour en jour, et puis chercher, voilà,
cette fameuse bulle. Ok, ici, il n'y a personne. Bon, je ne vais pas m'aventurer du côté de chez Laura et Reina, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai vraiment pas du tout envie qu'elles partent. Du coup, ça sert à rien. Même si c'était elle qui avait la bulle, eh bien, il faut tout simplement passer un jour en plus. Du coup, en fait, eh ben, ma technique, pour faire partir un habitant, c'est celle-ci. Je pars 15 jours dans le futur et je fais le tour jour au jour, voir un petit peu s'il y a quelqu'un qui a la bulle, et s'il y a personne, et ben je perds pas de temps et je quitte maintenant tout simplement le jeu, parce que voilà, il s'est rien passé d'extraordinaire. Donc je quitte tout simplement le jeu, je retourne dans les paramètres. Tout à l'heure, je le précise bien, j'ai sauvegardé parce que j'ai récupéré une mimique. C'est la seule raison pour laquelle j'ai sauvegardé. Autrement, moi, je ne sauvegarde jamais pour faire cette technique là et je retourne et je passe un jour de plus. Hop là, hop, je garde toujours, je conserve la même heure et je retourne dans le jeu. Allez, on est au mercredi 21 juillet. Est-ce qu'on va trouver une bulle aujourd'hui? Là, c'est Reina qui a la bulle. Du coup, eh bien, je ne veux pas que ce soit elle qui parte. Du coup, ce que je fais, c'est que je quitte le jeu et je vais passer encore une journée. Et vous allez voir, normalement, la bulle se transfère. Ça m'est déjà arrivé de temps en temps que ce soit le même habitant sur plusieurs jours qui ait la bulle. Mais franchement, en vrai, bon, c'est pas très très grave. Il suffit juste de continuer à passer les jours. Et ensuite, normalement, la bulle, elle se retransfère d'un habitant à un autre jusqu'à temps de tomber sur l'habitant que vous avez envie de voir partir. Et ensuite, eh ben, c'est tout simple, il suffit juste de lui dire de partir. Ok, en espérant qu'aujourd'hui, eh bien, sur cette nouvelle journée, que ce soit un habitant que j'ai envie de voir partir, qui est la bulle. Ok, pas d'habitant par ici. Ah là là, j'aimerais bien que ce soit Magogo. Oh zut, Magogo ou Tony, franchement, ça m'arrangerait quand même pas mal. Ok, Magogo, pas de bulle. Ah là là, j'espère que c'est pas Dolph ni Anna, on les fera partir dans tous les cas, mais ça m'embêterait parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je recommence tout depuis le début. Et ben non, ce n'est pas eux. Du coup, ah là, qui c'est que ça pourrait être? Ok, pour l'instant on n'a personne par ici. Ah, qu'est-ce qu'elle va me donner la Greta? Une mimique? Yes. Qu'est-ce que c'est? Ah, stupéfaction. Ah yes, pas mal du tout, génial. Bon bah du coup, au passage, on débloque une nouvelle mimique, stupéfaction. Bref, allez, on continue à chercher la bulle. Ok, comme il n'y a personne qui m'intéresse, enfin, comme tous les habitants que je voudrais qu'ils partent de mon île n'ont pas de bulle, eh bien, ce que je fais, c'est que je passe une journée, et là, évidemment, comme j'ai récupéré, eh bien, une nouvelle mimique, eh bien, je vais sauvegarder, comme ça, évidemment, je conserve, eh bien, la nouvelle mimique. Je quitte le jeu, évidemment, comme toujours, et je retourne dans les paramètres de la console, je change, évidemment, eh bien, la date. Juste la date, et je garde l'heure, puisque l'heure, vous avez vu, hein, ils sont quasiment tous dehors à cette heure-ci. Du coup, c'est plus simple et c'est plus pratique. Je vérifie bien que le 23, attention, on est un vendredi, ça veut dire que le 24, eh bien, il faudra sauter ce jour-là, parce que le 24, eh bien, il n'y a pas de bulle, parce que c'est un samedi. Allez, nouvelle journée. Bon, est-ce qu'on va avoir enfin une petite bulle, là? Ah là là, ok, Olivia, pas de bulle. Robert, non plus, tant mieux, parce que Robert, j'ai absolument pas du tout envie qu'il parte de mon île. Olivia, pas non, pas tout de suite, en tout cas. Par ici, eh bien, il y a personne. Oh, bah tiens, tiens donc, il y a Runard. Ok, on s'en fiche de Runard. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment devant chez Dolph et Anna. Anna et Dolph, oh my god, ils sont chez eux. Au moins, c'est cool, comme ça, au moins, c'est sûr que c'est pas... Ah, et ben voilà, ça y est. Fait semblant de réfléchir, et ben c'est parfait. En plus, ça tombe sur Tony, comme je vous l'ai dit. Franchement, Tony, ça m'arrange qu'il parte. Tiens, Kipichi, je suis content de voir ta bouille. Tu sais, derrière la façade de clown hilarant que je montre au monde, il y a un cheval qui réfléchit. En vrai, franchement, il ne me dérangeait pas tant que ça. Mais bon, c'est cool. Ok. J'entends le chant des projecteurs et je vois la lumière des sirènes qui m'appellent. Mais j'hésite. Faut pas hésiter, hein. Ah là là, fais-toi plaisir, hein, mon coco. Fais-toi plaisir, mais de ouf, hein. Go, 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 partir sur hein, d'autres horizons. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Et ben voilà, on a dit à Tony de partir. Je sauvegarde, évidemment, très, très, très important. Faire une pause, sauvegarder et arrêter. En
Ensuite, eh bien, je quitte le jeu comme depuis le début. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans les paramètres de la console. On va se mettre sur l'heure et la date. Et cette fois-ci, eh bien, évidemment, on ne va pas passer une journée parce qu'autrement, eh bien, l'habitant il sera déjà en carton et tout ça. Et du coup, moi, ce n'est pas mon but. Ce que je vais faire, comme aujourd'hui, eh bien, on est le 6, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais me mettre juste à la journée de la veille, donc le 5. Comme ça, l'habitant, il sera en carton. Et ensuite, on passera une prochaine journée pour avoir la parcelle de libre pour le 6. Voilà, tout simplement. Hop, on va se mettre au 5. Hop. On retourne dans le jeu. Du coup, on se retrouve le 5 juillet et Tony, eh bien, vous allez voir, normalement, il est en carton. Hop, 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 voilà, Tony, sa maison, elle est juste ici. C'est parti, go le voir. Du coup, voilà, regardez, Tony, il est en carton, il est prêt à partir. C'est très important si vous avez envie vraiment de chasser au bon jour. Eh bien, moi, je conseille vraiment de faire comme ça. Je reviens d'abord à la veille, comme ça, eh bien, l'habitant, il est bien en carton. Et ensuite, eh bien, vous aurez juste à passer une seule journée et il sera déjà parti et vous aurez votre parcelle de libre. Voilà comment faire partir un habitant. J'espère que ce tuto eh bien, vous a plu. J'espère que ça pourra vous aider. Vous êtes tout le temps en train de me demander comment faire partir un habitant. Je ne l'ai jamais fait vraiment comme ça en vidéo pour faire un vrai tuto dessus. J'ai fait pour avec les cartes Amiibo et tout ça, toutes les techniques qui existent. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'avais déjà fait une vidéo comme ça. Mais à l'époque, eh bien, je ne time travelais pas. Donc, je ne passais pas le temps sur la console de jeu et du coup et eh ben je vous l'avais montré mais en attendant, en étant patient et du coup en étant patiente et du coup voilà, maintenant je vous montre avec cette technique là qui est très rapide et très facile à faire. Franchement, vous avez vu hein, j'en ai pas mis longtemps, j'ai mis à peu près, si vous voulez savoir par curiosité, j'ai mis à peu près 6 minutes pour faire partir eh bien l'habitant. Donc franchement, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme du tout. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement, évidemment, pour la chasse à l'habitant, pour remplacer Tony. Évidemment, je vous remontre un petit peu eh bien, les habitants que je vise pour ma chasse. Il me manque encore Suzy, Cléa, Candy, Bouloche et Ruby. Évidemment, je ne vous dis pas Étoile parce qu'Étoile, on la récupérera grâce à une carte, à la carte Amiibo, des cartes Sanrio. En tout cas, si vous me découvrez sur ce tuto de comment faire partir un habitant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à mettre plein de petits pouces bleus. Et moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo ou sur un live. Des bisous les kibichis !